J'ai rencontré Patrick en secondaire 5, au début de l'année. En deuxième année, j'étais très gêné comme garçon. C'est vraiment quand j'ai rencontré Jean-Frédéric que vraiment là, ça a changé du jour au lendemain. J'avais pas vraiment d'objectif avant Karine. Au début de l'année, je me disais que j'allais arrêter parce que je suis pas assez bonne ou j'ai pas le niveau. Patrick, lui, il a remarqué que j'allais pas bien. Puis on s'est regardé dans les yeux puis il m'a dit « Hey, comment ça va? » Il m'a toujours gardé sous son aile. Il est venu me chercher aussi pour que je fasse mon premier stage avec lui. C'est vraiment la confiance qu'il m'a donnée. C'est grâce à Karine que je vois que c'est possible d'avoir plus de confiance en soi. Robin, Camille. Oh! Hey! Salut! Ça va bien? Après, il m'a demandé, tu veux-tu de l'aide? Puis j'ai dit oui. Ça a été ce moment-là qui a comme tout changé, on va dire. Oui. Ah, je voulais être comme lui, là. Je voulais vraiment être comme lui. C'était mon idole. Je voyais un monsieur tellement gentil, tellement sociable, tellement aimé de tout le monde que je m'étais dit, OK, je veux être quelqu'un comme lui plus tard, là. Karine, c'est vraiment quelqu'un qui était à l'écoute, quelqu'un qui était capable de me faire réaliser, de juste foncer dans la vie. Ça m'a beaucoup aidé à continuer mes études après. Puis je considère que c'est grâce à lui que j'ai pu passer aux études supérieures et finir mon secondaire, surtout. Je ne sais pas s'il sait à quel point tout ce qu'il a fait pour moi quand j'étais au primaire, ben, ça a eu un impact pour le reste de mon cheminement. C'était juste quelqu'un qui était là. Quelqu'un qui veille sur moi un peu. Je ne sais pas s'il y a vraiment un mot, parce que c'est plus profond qu'un mot.